sénateur Guy Philippe qui pas kembe encore, qui pas supporter encore, et bien de tout ça l'attendre sur réseau qui parlé concernant lui-même avec Moïse Jean-Charles Matin, et bien décidé bien bonnet répondre public là et mettre au clair de tout temps, et bien et question qu'il a posé, est-ce que lui fait ça vrai, est-ce que lui fait ça vrai. Et bien je dis à ancien sénateur pays a décidé parler de trahison Moïse Jean-Charles, et bien qui fin proposer yon bagay après, et puis Moïse Jean-Charles fait affaire pal. Et ou pral saisi tande raison qui fait Moïse Jean-Charles fait courbe 190 degrés ça, mesdames et messieurs, pour la rentrer dans bouille vide carré comme a fait pour pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, ou sous TV la caille, jodi an c'est vendredi, n'a souhaité bon début de week-end à tout le monde, si vous ne pas conduit, si vous ne conduit pas, on allez. Bon. Ancien sénateur Guy Philippe matin là répond Moïse Jean-Charles et voye un message clair by peuple là pour faire connaître, mais lui-même n'est pas jamais intention donc pour te abandonner ni pour te baisser les bras, mais c'est plutôt Moïse Jean-Charles qui t'est venu devant avec une proposition, alors que Moïse Jean-Charles te gain temps et ben monter conseil parle pour le voir dans CARICOM et puis le demander pour Guy Philippe abandonner, parce que la Russie et les États-Unis, la France dit y a mettre embargo sur Haïti si toutefois qu'il pas entré dans ben créer sept membres CARICOM a fait. Et ben Guy Philippe qui lui-même était décidé et donc agir comme ça, et c'est là Moïse Jean-Charles monsieur pral faire et ben un coup traite, un coup trahison, et ben sénateur qui lui-même fâché presque crié, mesdames et messieurs, l'elwe c'est comme ça en pile monde garder le jodia comme un nèg qui pas de jambe tape faire révolution, comme un nèg qui traite population, comme un nèg qui abandonne bataille avec lutte révolution peuple là. Et ben sénateur Guy Philippe pas mettre dans bouche li pour te répondre comme ça qui nous pral inviter ou attendez. La police fait gros lavage, yon met pied à terre dans Pétionville, dans diverses zones dans Vivi Michel, dans la boule, et un pile nèg qui tombe, qui pas levé, opération déchouqué, démantibilé, dégingolé bandit ça. Et bien, France LB en absence Ariel, monsieur senti, donc c'est moment même pour agir. Et bien, monsieur là, l'a frappé très fort, un pile nèg a tombé, un pilote a blessé, elle continue à bousquer par-ci par-là. Tout reste Valpayo, tout reste criminel qui yo même examen illégal nan men yo a fait des ordres dans pays ça, continue à tout le monde, continue à mettre son peuple à dire. Et bien ancien sénateur donc moi Jean-Charles Jodia là qui paraît l'aide dans yeux population après que le fin trahi Guy Philippe dans bataille ça. Mais tout le monde connaît moi Jean-Charles son abolotcho, tout le monde connaît moi Jean-Charles, c'est pas nèg qui et ben gen seul parole. Koto elle a marché dans chemin, ça met connait le gien pied qui non l'autre chemin, ça veut dire nèg ça c'est pas nèg qui doit même dans tout ça l'a fait. Et ben on écoute, nous va l'inviter et connait comment la police arrive pété fiel chef gang Tigreg dans Delma 95, mesdames et messieurs, qui était dans prison et monsieur était évadé dans prison dernièrement là. Et bien c'est tout de suite la police pral voyer monsieur Aljoine Audma ak Anel Joseph. Bon écoute, n'a tourné donc sénateur Aud, c'est où qui vient demander pour m'abandonner bataille peuple là, pour m'accepter des autres qui fait là, parce que la Russie dit l'a imposé nos embargo ensemble avec les États-Unis, ensemble avec la France. C'est où qui dit vous faites 4 jours avec vous? Et c'est où qui demande ça? Mais pour qui raison tout pile parler en pile ça? Parce... Bonjour, bonsoir tout le monde. Semaine ça yo mouvement en pile dans histoire du pays là. Moi vinn là pour moi dire non. J'aime dire toujours dire non. Nous avons bataillé contre un système. La bataille n'est pas facile. La bataille est dure. C'est quand même 220 ans depuis que le système s'est ravagé, pillé, volé. Sans compter 3 siècles d'esclavage. Le système n'a pas de force. Il y a l'argent, il y a les âmes et le criminel. Ce n'est pas par hasard où la semaine dernière, là, pour faire passer les bagages carrés comme ça, les gens ont pillé, dévalisé. On bon dans le pays, craser Pétionville, craser Ao Pèlerin, la boule. Yo organiser tout des autres yo pour faire peuple la peur. Pour société a ouvert bras, pas qu'à commander, s'il vous plaît, venez de yo. Et accepter intervention étrangère là, t'as pour son délivrance. C'était toujours comme ça, vous faites. Yo pas de jambes, gagne l'autre stratégie. Panico, faire peur, il faut accepter, soit pas supposé accepter. Question CARICOM, c'est un désordre lié. 7 représentants,
Ça veut dire 7 cortèges. Et si vous avez petit, chaque petit un cortège. Pour payer, pour dépenser, pour bailler machine. Pour dépenser ça que l'État a gagné. Ça que tu cavalé pour aider tout le monde, grand monde, dans l'hôpital, dans l'université, dans l'agriculture, dans le réseau électrique. Non. Donc c'est comme ça, ça y est. Question qui arrive comme ça. Regardez qui est-ce qu'il a dedans. Représentant Lavalas, PHTK, Ariel Henry, SDP. Donc tout le monde qui contribue à craser le pays d'Haïti depuis les derniers 30 ans, vous mettez tout ensemble pour faire une belle équipe là, pour venir dévorer nous. Pour qui ça? Qui ça gagne Haïti que nous ne connaissons? Qui ça va chercher? Moi, je viens de dire non. Il faut que nous continuions à mobiliser. Il faut que nous continuions à batailler pour nous joindre Haïti que nous cherchons. Pas de jambes de monde qui te dit son bataille qui est facile. Mais il faut qu'il y ait un haïtien qui veut camper. Il faut qu'il y ait un haïtien qui est conséquent, qui croit dans ce qu'il dit. Hier, moi, j'entendais un haïtien qui fait parler en pile de lit, qui a parlé. C'est Wood Joseph. Qui a expliqué comment Moïse Jean-Charles, sénateur Moïse Jean-Charles, fait arriver à venir dans le CARICOM. M'a dit non, peuple haïtien. Premièrement, pas de jambes aucune discussion entre moi-même avec sénateur Moïse Jean-Charles autour de questions CARICOM. Je ne vais mettre ça dans la tête, je ne vais jamais penser ça. Monsieur Rod Joseph, c'est lui qui est l'élément premier. Pour lui dire, ah, sénateur, nous perdons la bataille là. Bon, même comprendre ça, je le dis. Oui, que la Russie dit, le pape aide Haïti si acteur haïtien ne pas rentrer dans la solution CARICOM. Je ne vais pas comprendre. Comment la Russie fait dire on va comme ça? Il dit, oui, c'est comme ça, lié, nous avons fait 4 jours. Ensemble, avec l'ambassadeur russe des Nations Unies, c'est ça le dit. Ou bien, il a imposé nous un embargo, ensemble avec les Américains, ensemble avec tout l'autre pays. Moi, je dis, bon, c'est M. Wood, Joseph, Haïti déjà en bas embargo, vous pouvez garder le peuple, vous regardez la vivre. Qui ça, ça a changé? Alors, un peuple qui voulait prendre destin en main, donc c'est comme ça, la Russie, les États-Unis, la France, dit que vous pouvez imposer un embargo, parce que le peuple n'a pas voulu prendre un bagage qui n'est pas bon. Moi, je vais l'exemple. Excusez-moi, j'ai une coupure. Donc, peuple haïtien, n'a pas joué une route. Il m'a dit, sénateur Wood, que ça va garder. Vous voulez imposer un embargo, que vous imposez, puisque nous avons un embargo déjà. Parce que là aussi, il n'y a pas de l'ordre, ni aucun monde l'ordre pour faire telle route. Ça, c'est haïtien qui vous prend décision au côté où vous voulez faire. Moi, je connais que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Moi, je connais que nous avons besoin d'amis. Nous avons besoin de pays qui ensemble avec nous. Mais pays qui a traité avec dignité. Nous ne pouvons pas sortir en bas impérialiste américain pour nous tomber en bas impérialiste russe. Nous n'avons pas l'ordre comme ça pour nous prendre. Ni dans la Russie, ni dans les États-Unis, d'ailleurs. C'est des positions. Ils ont continué quoi là-dedans? La bataille qu'ils ont faite là, ce n'est pas pour nous servir la Russie, ce n'est pas pour nous servir les États-Unis. Ils ont envoyé un message pour moi. Côté soi-disant ministre des Affaires étrangères russe, vous avez dit, camarade, mettez le vous moi, je suis là, je vais vous envoyer sur tout réseau pour nous voir à partir de qui ça. Vous avez monté tout ça au fait là pour écraser la bataille peuple là. Parce qu'en fin de compte, malgré avoir fait des autres avec CARICOM, ils connaissent que la population n'est pas d'accord. Que dans la diaspora, que dans Haïti. Quand ils ont passé dans la intimidation. Ils ont voyé ce message là. Moi-même, moi étudié en Amérique latine, moi j'ai des amis, moi relé, et les amis m'ont dit que ce n'est pas vrai. Son message faux. Rapidement, ils ont joué, ils ont démontré qu'il est faux. Que vous voyez rapidement par Wood Joseph. Que vous voyez rapidement tout par l'autre ami. Moi, je jamais dit que nous avons contact avec la Russie. Nous n'avons contact avec aucun monde. Seul contact, moi, je toujours dit, privilégié, c'est avec le peuple. Si on veut le relais, côté ambassadeur, côté santé, quel que soit le pays, je suis prêt pour me battre avec vous. Je suis prêt pour me battre avec tout le monde, quelle que soit la nationalité, quel que soit haïtien, tout, relais, je ne suis pas là avec vous. Mais ça nous met dans la tête, objectif final, nous, qui c'est bien-être du peuple haïtien, nous ne pouvons pas négocier ça. Donc, sénateur Wood, c'est où qui vient demander pour m'abandonner bataille peuple là, pour m'accepter des autres qui ont fait là, parce que la Russie dit, l'a imposé nos embargo ensemble avec les États-Unis, ensemble avec la France. C'est où qui dit, vous faites 4 jours avec vous? Et c'est où qui m'a dit ça? Mais pour qui raison tout pile parler en pile ça? Parce que je vais accepter? Parce que je vais d'accord? Parce que je me dis, je vais être sous position, je vais promettre peuple en bagage, je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que ça, c'est parce que je suis égo? Mais gardez peuple haïtien, gardez l'état de vivre, gardez conditions nous.
pour nous, ouais, si nous câbles, vin continuer à appuyer un système comme ça. Et on mascarade dans tout ça, bagay carré comme fait, sept nègres, sept bagay ou par contre côté au sorti, sans aucune légitimité populaire, pour qui moun y a travail, c'est pas pour peuple haïtien, c'est pas non peuple haïtien, côté au sorti. Ok. Donc, oui. Ok. Mais le monde encore. Donc, tout le monde m'a dit non, pour occuper le monde, qui a essayé de démobiliser, qui a essayé d'écraser le peuple là, c'est nous qui avons bon chemin. Chemin difficile, li long, mais c'est li pour nous faire, pour Haïti, pour petit monde. C'est le seul conseil qui a en Haïti qui pige juste là. Côté monde, respecte le monde. Côté monde, qui a avec dignité. C'est dommage qu'il y ait des gens qui vendent tête, qui vendent tête, des femmes qui vendent tête. Sachant bien que Baraka est comme ça, il n'y a pas aucun côté. Il n'y a pas aucun côté. Sachant bien que Blanc qui a imposé là, c'est pas fait pas le vivre régler parce qu'il connaît et l'oblige. Si un pour Blanc, pour militaire étranger rentrer dans le pays. Et on fois, on finit rentrer dans le pays. Police n'a pas pris encore. La médaille n'a pas pris encore. Même les CEO qui a aidé le système et imposé ça à imposer. Tout le monde peut prendre dictée. Si nous avons des réserves, iridium, pétrole, nous l'a toujours été réserve stratégique, gros pays, pendant que le peuple nous a coupé nos misères. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Le, toute menace pas qu'à rien, monsieur Rod Joseph, parce que mon cousin, moi, qui vous dit, cousin, ça vous voulez dire, c'est que vous dit, il y a assassiné, il y a tué, vous ne suis pas d'accord. Et même moi, je dis, c'est comme ça pour mourir, qu'est-ce que mourir? Donc c'est ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Et moi, toute conversation sur le téléphone, moi, et moi, tout message sur le téléphone, moi. C'est la vérité. Haïtien, bah, y aurait pas gagné pile monde. Gon équipe bluffeur de yoa. Kap proposition en Haïti, pas en Haïti, oui. Gon équipe agent double de yoa. Kap parler dans nos peuples là, laisser faire pas ou y a réglé. Moi, je devrais bonne vérité. Besoin de nous, quel que soit sacrivé, quel que soit position, l'autre nous apprend, moi, même position, pas non. La toujours être même genre. C'est toujours pour servir le peuple haïtien. C'est toujours pour nous accorder, nous cap joindre mieux être pour le peuple nous. Pour cap vivre en dignité. Avec décence. Baron comme cap gain mais si mon dernier cap crête campé moi m'a dernier merci. Eh bien, non, moi, on a parlé là, mesdames, messieurs, nous apprenons qu'une fois de plus, pendant toute semaine là, entre autres, non, moi, on a parlé là, eh bien, Moun Petsonville, pour qu'on y a là, c'est par des balles qu'a chanté là, mesdames, messieurs. Oui, semble-t-il que Timessé vivant ensemble là, qu'a frappé tout bon là, mais pendant que nous, Timessé a frappé, faut nous boire vérité tout, mesdames, messieurs, et la police son lavage, je dis à la police son lavage, plusieurs anti messieurs ont tombé là. Nous avons quelques photos pour vous. Photos pas vraiment belles. Mais, puisque nous avons l'autre gros pour parler de Tigre, monsieur tombé également. Donc, la police commence à prendre une certaine assurance. Mais pendant ce temps, eh bien, Petionville là, pour qu'on y a là, moun s'en bat à bonne qui est là, pour parler du même petit groupe oligarque qu'on peut là, ça n'a pas de 15 000 dollars pour sauver, eh bien, s'en bat à bonne qui est pendant qu'on a parlé là. Mais au-delà de ça, mesdames, messieurs, oui, c'est sérieux. Au-delà de ça, eh bien, nous capables, oui, il y a plusieurs militaires canadiens, plusieurs soldats canadiens qui débarquent là, mais ils sont soi-disant là pour renforcer l'ambassade là, même gens que nous te voyons que tout dernièrement, il y a plusieurs marines américains qui ont débarqué pour renforcer l'ambassade américaine. Mais cette fois-ci, c'est Canada, plusieurs militaires canadiens qui ont renforcé là avec ces gros armes et font une fois dans le ça... Bon, encore une fois, Salomon et Pradel, Jimmy PDG par nous, nous comptons dans le sable pour nous capables d'informer les auditeurs et parmi tout ça qui a passé. Eh bien, nous sommes là, eh bien, Jimmy, et uniquement la vie André Michel menacée, la vie ministre menacée, la police est étant efficace, la police est étant fait travailler. Eh bien, nous sommes là, non, et environ 48 dernières heures, nous sommes là, la police qui frappe au niveau de Petionville, la police qui frappe au niveau de Delma 95. Il y a environ deux ans chef civil là, mais t'as tombé, et nous, là, Jimmy, nous, tout, dans quatre actualités, il y a un ambassadeur russe en Haïti, qui t'a démenti, t'as qu'un chef, qui a démenti Moïse Jean-Charles, nous, qu'on est, t'es fait qu'on est, eh ben, c'est appel là aussi, fait pour t'as changé position. Toutefois, ensemble des points, ça, mais nous, là, au niveau Vivi Mitchell, Peggyville, va la compliquer là, mais c'est policier, mais c'est civil là, mais pas décidé de célébrer. Pour affrontement, et bien ensemble des présents pour le faire. Encore une fois, nous saluons tout le monde. Bienvenue, Chanel, mon affaire boutique. Voilà, monsieur, avant que nous commencions, Pradel, juste comme on commençait, avant que nous commençions, et oui, pour question Guy Philippe, là, mesdames, messieurs, nous t'étions en lancé appel là, hein.
nous avons lancé un appel là, c'est sûr et certain. Et nous, nous avons parlé de ça par rapport à l'équipe Guy Philippe là qui a demandé pour taguer en présence yon fi dans l'équipe là. Je pense que vous avez information ça, on reprend pour nous parce qu'en pile, nous avons parlé de ça. Gen pile nous avons parlé là. En façon pour nous dire que question et mouvement Guy Philippe là, mouvement peuple là, puisque peuple là, c'est lui qui choisit Guy Philippe, mouvement pas camper là, mouvement pas prendre panne, mouvement pas brûler l'huile. Et juste prendre info ça pour nous avant qu'on commence.